fait, je crois que c'est pas disponible parce que vu qu'il y a les tours qui bloquent, en fait, je crois que c'est pas du tout disponible du coup. Ouais, on va mettre que 3 fenêtres ici, en fait. Du coup, hop. Ça, ça prend du temps du coup parce que what? Je vais te faire ça un à un du coup. Wouah! Oh putain de merde. Attends, attendez, là il y a un truc qui va pas du tout là. Mais en même temps avec cette vue de caméra qui me fait chier, sérieusement. Franchement. Puis en plus elle est hyper sensible. Je sais même pas si on peut la changer la caméra. Si on peut enlever la sensibilité ou pas. C'est chiant ce truc là. Hop. Du coup, hop. Alors, ça prend du temps. Peut-être que ce moment-là en montage, je l'accélérerai. Peut-être que je couperai. J'accélérerai ce moment-là, peut-être, hein, les amis. Mais là, par contre, là, je suis obligé de... Désolé de faire ça à la main. Je sais qu'il y a une touche pour... What? Je suis bugué, là. Wow.
Alors, de l'autre côté, on a mis combien de baraques? Enfin, 3. D'accord. Donc, il faut que j'en mette que 3 en fait ici. Hop, je me concentre parce que j'ai pas envie de faire de la merde, j'ai pas envie de me foirer. Du coup, là, de ce côté-là, on a. On a 12 fenêtres en fait, en gros, de ce côté-là. Fait quand même ma foi pas mal d'éclairage du coup ça fait vraiment château là déjà je sais pas ce que vous pensez déjà rien que ça avec le jour etc qui passe à travers les fenêtres dis-moi ce que vous pensez mais pour moi ça fait vraiment château parce qu'avec les éclairages des vitres des grandes fenêtres etc en plus avec les tours qui sont ouvertes quand parce que là je pense qu'on va mettre peut-être des petites fenêtres au moins une ou deux fenêtres dans chaque tour. Et des petites, je pense que déjà ça rendra déjà bien quand on aura fait un truc assez assez potable du coup. Alors du coup là on en avait 12 en fenêtre, hein. Pas que je me plante. Sachant qu'après, je pourrais pas, peut-être pas forcément les mettre en face, mais vous me direz, les fenêtres sont pas forcément en face. Donc après, donc là on est à 3. Ouais, je pense que là en fait ici, je pourrais pas en mettre déjà 6, 12. Bref, du coup là il nous reste juste à régler cela. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez hein, de ce que je suis en train de faire. Mais je pense que ma foi, ça pourrait être pas mal de faire un truc comme ça. Ouais, non, toi, la porte, je vais pas te bouger, en fait. Alors, je sais, les fenêtres ne seront pas forcément pile poil en dessous, surtout devant et par endroit. Mais bon, après, vous me direz, un château, des fois, c'est fait avec des petits décalages, de pas grand chose, mais c'est des décalages. Du coup. Je pense que là, on a l'air d'être good. Non, peut-être celle-là qui est pas assez haute.
Voilà. Bon. Déjà, je trouve qu'on a quand même une bonne baraque. Déjà, on espère, on a une baraque ancienne, moderne, et on va dire un tout petit peu rustique. Hein, elle reste quand même assez moderne quand même. Mais déjà, la baraque est quand même pas mal. Déjà, en aspect. Moi, pour ma part. Après, on pourra peut-être modifier certains points. Si vous avez remarqué quelques points, n'hésitez pas à le faire. À me le dire aussi. En commentaire, c'est là pour ça. Et en plus, je pourrais vous répondre, évidemment. Hop! Là, on a des tours, donc on va mettre... D'accord. Attends, t'es en train de me dire que je peux pas mettre une porte? C'est sérieux? Bon bah tant pis, hein, ça fera moche, mais on mettra ça. Tant pis. Tant pis, tant pis. Bref, alors. Ne s'ouvrons pas dans nos affaires. Tout en sachant que la façade de la maison est là. Je propose qu'on mette l'escalier, en gros les deux escaliers dans les coins, sur une tour de l'arrière de la baraque. Déjà, ça sera déjà logique. Hein, parce que sinon ça ferait... Je serais obligé d'enlever les fenêtres. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Ouais. Voilà. Du coup je pense que... Moi je pense plutôt... Faire plus sur celle-ci. Voilà. Donc déjà, on va mettre l'escalier, comme ça sera fait. On va rester quand même sur du moderne. Aussi pour l'escalier. Bon, déjà, ça nous ferait ça. Voilà. Et en plus, voilà ce que ça ferait du coup. Globalement, voilà, ça fait deux escaliers. Et après, je me pose la question, c'est est-ce que les Sims vont pouvoir passer? J'ai un petit léger doute là. Merde, je l'ai remis au même endroit, c'est bien ce que je pensais.
Ah! J'ai enlevé une fenêtre. Bon, heureusement que je vous dis. C'est vrai que ça fait un peu con parce que ça fait un trou au fait du coup. Ça fait un trou. Au pire, tant pis, cette tour-là, on la ferme au pire des cas. On met un petit mur en biais comme ça. Parce que j'ai vraiment envie de faire un truc un petit peu assez rustique quand même. Parce que voilà, j'ai pas trop envie de faire un truc trop basique non plus. Ouais, je pense que je vais faire un petit mur, tant pis. Tant pis, tant pis. Mais histoire quand même que ça se voit pas trop. Merde. Histoire que ça se voit pas trop, moi je ferme carrément un truc. Ouais, vous inquiétez pas, ne paniquez pas, je sais que je fais un truc un peu chelou, mais je pense que je vais essayer de faire un truc, comment dire, je vais quand même faire une ouverture, on va peut-être pas fermer cette tour, mais histoire que ça soit quand même propre. Bon, ça fait un truc assez con, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je n'ai absolument pas le choix. Comment je vais pouvoir faire pour faire l'autre escalier en fait? Je vois que là, je sais pas quoi choisir.